Mais en réalité, ça fait très mal. Regardez cette jeune fille. Regardez cette jeune fille. Elle est tout ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire en sorte que malgré la tête, elle voit que le mal. Figurez-vous, hein. C'est-à-dire qu'elle doit passer comme ça 40 minutes ou une heure du temps en train de faire cet exercice-là. Et ils le font tous les jours. Parce que la pilote part en état. Au Congo, en RDC, à 700 km seulement. Et si nous entrons dans 2000 km, qu'est-ce qu'on trouve? Nous sommes sur l'avenue Bossomi, l'avenue dont je vous ai parlé. Je suis là sur une moto, vous entendrez certainement le bruit de la moto. Nous allons vers Eyala. Eyala, c'est une très grande destination, vraiment, hein, je vais dire ça comme ça. Connue à travers le monde, deuxième jardin le plus grand en Afrique. 10 000 espèces et puis 7 000 espèces ici, naturelles, et 3 000 espèces importées. Alors, donc, vous allez voir, mesdames et messieurs, une richesse impossible, incroyable. Alors là, nous sommes en train de passer, vous avez déjà vu la radio Kanga, c'est la maison de Ndoudou, un bâtiment de Ndoudou. Le bâtiment qui suit, c'est le bâtiment Finerose. Et là, on vous fait voir le parc Joseph Kabila, qui était hier un ancien parc où il faisait très beau vivre. Aujourd'hui, c'est un espace commercialisé. Alors de l'autre côté, vous avez le bâtiment de Lokondo. C'est un très grand bâtiment. C'était, ça appartenait à Monsieur Kenga, une famille de Mobutu, racheté par Lokondo. Alors, là, vous voyez, nous sommes au niveau de l'hôtel de ville, hein, l'hôtel de ville de Mbandaka. Voilà, c'est là l'hôtel de ville de Mbandaka. Un très bon bâtiment, vous avez vu vous-même. Nous sommes toujours sur l'avenue Bossomi. C'est une très grande avenue, très connue de Kinshasa. Pardon, de Mbandaka, je vais dire. Alors, le bâtiment que vous voyez juste là, c'est le plus grand bâtiment de Mbandaka. L'un des plus grands, ça s'appelle le bâtiment de la Poste. On appelle ça la Poste. Tous ceux qui ont vécu en Mbandaka connaissent cet endroit, ça s'appelle la Poste. Mais ces bâtiments abritent aussi la RTNC, aujourd'hui c'est sous le tel complexe de poste de télécommunications. Et en avançant un peu plus loin, vous allez voir le plus grand monument, je veux dire ça, ça s'appelle Ndeke, on appelle ça l'oiseau. Pourquoi l'oiseau? Parce que en 2004, je crois, on avait érigé ce monument-là. Et là, c'est le groupe Lito Mobotti, GLM, un peu comme Akin, mais maintenant ça c'est GLM, c'est toujours le groupe Lito Mobotti, mais je crois racheté parce que cette famille a ou aurait vendu une très bonne part, hein, de ses avoirs. Et nous sommes tous ici, nous sommes sur l'avenue Okito. C'est l'avenue qui
amène vers Bassoko, dans l'autre direction, bien sûr. Alors, quand j'étais jeune, je vivais juste là. Moi, je suis sur la moto, vous pouvez bien me voir, je suis sur la moto. C'est le transport, le moyen de transport le plus populaire ici, taxi-moto. À Kinshasa, on les appelle des wewa. Et ici, on les appelle taxi-moto, tout simplement. Voilà. Et donc, là, cette année, c'est l'année du gouverneur. C'est là où logeait l'ancien gouverneur. Cette avenue, on appelle ça le Cocotier. C'est une ancienne avenue, hein, le Cocotier. Nous sommes à l'espace Régie des Eaux. C'est un quartier de Régie des Eaux. Alors, chauffeur pour les Gabriel Lucien, pour que Az en a possibilité, hein, de vous filmer. Alors là, nous passons. C'est le quartier Represque Régie des Eaux. Et vous allez voir, la centrale de notre Régie des Eaux, c'est là. Vous avez la centrale. Direction provinciale de l'Équateur, Régie des Eaux, c'est bien évidemment là-bas. Alors, juste derrière, vous allez voir ce qu'on appelle Libongo Sokopla. Hein? Au Sokopla, n'est-ce pas? Voilà, c'est le Libongo de Sokopla. Il accoste des bateaux, il accoste des petits pêcheurs qui viennent par-ci, par-là, et c'est là. Et donc, vous voyez l'engouement, c'est bien évidemment cet engouement dû à ça. Poursuivre la vérité en une sans deux.
makunyasatu chitalala kashikopeza makunyasatu chashikunya chakashidi chashikunya chamaredo wono wakujikachiji wakujira Congo, di Kabu, Congo, Yabakulu, Congo, Oisi, Congo, Yaluzolo, Congo, Beto Kefulu, Sange, Kebeto Keto, Molange. Avec mon bambou mort, je vous dis encore une fois bonjour, bienvenue. Nous sommes au jardin botanique d'Eyala. Et là, ce petit panneau nous signale que nous sommes là. Mesdames et messieurs, c'est le deuxième jardin vaste, diversifié, riche de l'Afrique. De toute l'Afrique, vous ne trouverez pas un jardin comme celui-ci. Après, même au Congo, le deuxième jardin, c'est le jardin de Kisantu. Le premier, c'est celui que vous voyez. Le deuxième est celui de Kisantu. Mais c'est vrai, le jardin de Kisantu, bien évidemment, ne vient pas à la deuxième position. Ce n'est pas le jardin qui vient à la deuxième position en Afrique. Celui qui vient à la deuxième position en Afrique, c'est ce jardin botanique. En état, vous avez vu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce jardin de triste mémoire est en train de mourir pour rien. Absence d'un leadership, absence d'une vision politique, absence d'une prise en charge politique de nos autorités. Dois-je vous informer que ce jardin a connu la participation de Belges? C'était en 1900 que ce jardin a été créé. En 1900, alors juste. Donc aujourd'hui, ce jardin a 219 ans. Mais ce jardin est abandonné. Pourtant, une ressource énorme, potentielle pour la province. Je vous rappelle ici que cette allée est une allée qui va vers... c'est toujours dans les jardins. Il y a un camp, vraiment un camp d'internement de fonctionnaires, en principe, c'était prévu pour ça. On ira là-bas pour voir dans quel état ça se trouve. Il y avait un crocodile et puis il y a un musée. Mais vous allez vous rendre compte que le musée est totalement fermé parce que de toutes les façons, personne ne s'intéresse à cela. Le crocodile qui devrait en principe vivre dans cet endroit-là, je ne l'ai pas vu. Certainement, il est mort. Certainement, il est mort ou il a été mangé, je ne sais pas par qui. Mais en tout cas, c'est compliqué, messieurs et dames. Est-ce que vous pouvez imaginer tout l'argent que génère la République démocratique du Congo, la province de l'Équateur? Le jardin serait dans cet état. Ce jardin a 10 000 espèces. 10 000 espèces d'arbres, s'il vous plaît. 7 000 espèces d'arbres. Ici, et vous avez 3 000 espèces d'arbres importées, des plantes et d'arbres. C'est dans ces jardins que vous pouvez trouver notre réserve médicinale. Bato baibi Kinshasa, to bato bazaki na Kinshasa ba kinapoto. Na jardin et à la hawa toza na nzete moko boso ko lié mi olié biloko ko misio minunga ipenza makasi toza na nzete moko longola kami nunga yuana. Ça veut dire longola kami nunga nyoso. C'est une herbe qui détruit les greurs, qui combat les greurs. C'est-à-dire quand tu as ngai na minu au lié qui sur lié nzete wana ngai esili. Ces jardins vous offrent tout le bonheur du monde. C'est-à-dire Dieu, celui qui a créé ce truc. Parce que ce n'est pas l'homme qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a créé. Regardez la rivière. Les gens peuvent croire que ça c'est un parc, pardon, ils peuvent croire que c'est le fleuve. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas le fleuve. C'est une rivière qu'on appelle la rivière Ruki. Célèbre rivière Luki. Ruki, pardon. Une rivière qui abrite beaucoup de poissons. Mais ça veut dire quoi ici? Les poissons ne vivent pas toute une année ici. Les poissons viennent mettre bas, ils pondent leurs œufs ici. Et ils vont vivre ailleurs. Et puis ils reviennent ici. C'est pourquoi vous avez les gens qui disent « Ah, mais c'est Sili ». En principe, ils prennent le poisson quand ils viennent mettre bas, ils viennent pondre leurs œufs, on va dire ça comme ça, et puis ils repartent pour faire la vie ailleurs. Et vous avez ici, par exemple, regardez, ça c'est la rivière Ruki. Lorsque vous allez de ce côté, vous allez vers Chuapa, vous allez vers Boende, vous allez vers Bokungui qui est là, c'est dans cette direction. Un peu plus au nord là-bas, vous trouverez une bifurcation. Il y a un bras qui va de l'autre côté et un autre bras qui va vers peut-être Boende et les autres. Mais si vous allez par exemple de ce côté, vous descendez un peu plus en bas, c'est là où vous allez trouver la sortie du fleuve. Parce que c'est cette rivière, comme on nous a appris tous dans la géographie, cette rivière nourrit le fleuve Congo d'un côté.
Mais c'est parmi les plus grandes rivières. Et Omo peut nous faire voir, vous regardez les pirogues, hein, les paysans sont là, mais c'est quand même triste dans la mesure où ces gens-là ne vivent que de leur poisson, mais par moments, lorsque les poissons ne viennent pas, ils sont obligés de faire autre chose. Et c'est très compliqué. Et si l'œil de la caméra peut nous montrer là, vous voyez, en face, on va traverser demain ou mardi, nous allons traverser, mais ça sera de l'autre côté, on appelle ça Nganda Kinshasa. Il y a des Congolais qui vivent là-bas. Je ne vous parle pas des étrangers. Je ne vous parle pas des prisonniers. Ou je ne vous parle pas des gens qui ont commis une infraction. Ou des gens qui ont... Non. Des citoyens dignes, mais qui vivent dans des conditions comme ça, sans électricité, résignés. Mesdames et messieurs, vous pensez vraiment à des gens comme ça? Vous allez leur parler patriotique? Qu'est-ce que le coltan? Qu'est-ce que lui a à voir avec le coltan? Quel est le lien qu'il a, lui, avec les manganèses? Le manganèse? Quel est le contact qu'il a avec le lithium? Donc vous pouvez le dire qu'on a volé le lithium, ils s'en foutent. Totalement, parce qu'il ne connaît même pas ça. Si le lithium ne peut pas l'aider à s'en sortir, si là où il est entouré de bois, mais il doit acheter une chaise à 70 000 francs, est-ce qu'on est sérieux? Il est lui-même entouré de bois. Et puis il y a eu une mesure du gouverneur, entre guillemets, c'était l'ancien bien sûr, à l'époque de Bayindé et même les autres, ils ont interdit le reboisement. Ils ont dit il ne faut pas couper les bois. Mais attends, disons-le, ils n'ont pas d'électricité. Comment vont-ils faire pour vivre s'ils ne coupent pas les bois pour faire la braise? Comment vont-ils faire pour vivre? Quelle était la palliative qu'on leur a apportée? Quelle était la proposition qu'on leur a accordée? Rien du tout. C'était une décision arbitraire, malheureusement. Je ne suis pas contre le reboisement. Je suis plutôt contre cette politique de sens unique où on interdit aux gens sans présenter autre chose. Et ces gens vivent dans les conditions les plus difficiles. Et si vous regardez juste derrière, vous allez voir les gens qui achètent des poissons, ils les pêchent eux-mêmes. Masala c'est ambition, Otega. Otega ambition. Y a la sangana. Y a la film ambition. Y a la ambition. Il y a un autre talent. Combien, monsieur? Bonjour, Mangani Yagat. Pourquoi on a l'air de son bis? Combien? Bon, 1000 francs. Bon, il y a un peu de Il y a un accent. Oh, il y a combien d'années? Oh, eh. Bon, oh. On dit Sasa Pongé. Isasa Pongé. Oh, Isasa Pongé. Oh, yo. Mbesse. Oh, on t'a écouté. Eh? On t'a écouté. On t'a écouté. On t'a écouté. Eh. Bon, mon nom, comment sont-ils? Eh, mon nom, on est quand on a bagué belé. Bon, oh, on peut cater. Oh, eh. Oh, il coque. Il coque, hein? Eh. Bon, oh. On est. On t'a écouté. Tant mon connaît mon songo. Oui. Oh, mon côté. Ouais, ben ton côté. Ton côté à Gaboué. Ok. Bon, tout est bon. C'est bon. Alors, donc, tout est bon. Tout est bien, ouais. Ok. Tu peux sur 2000 francs, hein. Ouais. Est-ce que c'est pas un bis, c'est bien? C'est bon, c'est une banane, hein. Alors, merci beaucoup. On va s'arrêter un peu, discuter, marchander, peut-être manger aussi, pourquoi pas, tout de suite. Je suis là.
Vous avez ça la vie. Oh, il y a première. Bon, on peut tourner. Il y a deuxième. Bon, il y a deux. Il y a un second. Ah voilà, bon 4 plus 4. Bon, ça, c'est bon. Ils vont demain devoir répondre de ce qu'ils ont compris depuis leur enfance. Un petit répond par rapport au calcul, vous avez vu? Il y a des enfants intelligents au pays, mais qui ne seront peut-être jamais pris en charge. Ils savent même pas dans quelle salle se trouvent-ils. Et c'est quand même assez compliqué, mesdames et messieurs. Ils doivent faire ce parcours tous les jours. Ils prennent la pirogue avec le risque, cette pirogue qui n'est pas même en état. Mais dites-vous un peu, si c'était vos enfants, qui devaient prendre un transport périlleux jusqu'à ce point, que diriez-vous, mesdames et messieurs? Où avons-nous placé notre cœur, notre âme? Qu'est-ce que ces enfants ont fait pour vivre cet état? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Simplement parce qu'ils sont congolais. Et que vous avez eu le président affairiste au nom de président pour travailler dans le camp de, pour le camp du pays. Ce sont des choses qui devaient faire rire. Mais en réalité, ça fait très mal. Regardez cette jeune fille. Elle est tout ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire en sorte que Mayu vienne à Katia Boato et Bimalibanda. Figurez-vous. Hein. C'est-à-dire qu'elles doivent passer comme ça 40 minutes ou une heure du temps en train de faire cet exercice-là. Et ils le font tous les jours. Parce que la pirogue n'est pas en état. Au Congo, en RDC, à 700 km. Seulement, regardez. Et si nous entrons dans 2000 km, qu'est-ce qu'on trouvera, messieurs et dames? Alors. Boko Luka, Kambote, Boko Namamu, Boko Narabolo Chimongo. Tokuta na lankesa. Jeep, non. Va pédis ici, va dire. Il s'en va d'abord un car là-bas, moi. Vous avez vu, c'est le parking. Parking à Belève au Congo. À Bandaka. Mesdames et messieurs, regardez. Regardez cette beauté, cette nature verdoyante. Regardez le bambou à la taille de ce bambou. Donnez aux Chinois des bambous pareils. Mesdames et messieurs, vous regretterez ce que vous êtes. Regardez les bambous. On en a comme ça en quantité industrielle.
des arbres qui n'ont jamais été coupés depuis leur existence. Regarde. Ça s'est créé comme ça tout naturellement, des petites poches. Si on pouvait offrir un tourisme important ici, regardez, regardez, c'est naturel. Il y a une paillote naturelle formée par le bambou. Mais vous allez voir, ça n'est donc ça dit l'État ne gagne rien. Qu'est-ce que voulez-vous d'autre? Il y a des gens qui font ça artificiellement. Mais ça, c'est naturel. Mais pour ça, on ne gagnera rien. Même pas 10 francs. Un tourisme est mort. La province de l'Équateur, pour ceux qui ne connaissent pas, cette province a bénéficié de beaucoup de choses. 32 ans de régime. Mais depuis Kabila au pouvoir, le ministère de l'Environnement était un ministère équatorien, dirigé par les Équatoriens. Je ne citerai pas le nom parce que ça ne m'intéresse pas. Mais ce sont les mêmes personnes qui font des leçons aux gens aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas de maison au Kakine, qui n'ont pas de maison en Bandaka, qui n'ont rien construit, qui n'ont pas d'infrastructure, qui n'ont pas d'adresse. Bandaka. Mais bon, ils vont quand même donner des leçons aux gens à Kinshasa. Et vous croyez beaucoup en ces gens. Hein? Vous croyez beaucoup en eux, malheureusement. Tandito. Regardez cet arbre. Vous savez, cet arbre, on l'a coupé. Mais parce que l'arbre ne pouvait pas tomber de lui-même, l'arbre s'est penché sur un autre arbre. Mais miraculeusement, l'arbre continue à pousser quand même. Vous imaginez? C'est-à-dire, on a coupé l'arbre, mais l'arbre s'est penché sur un autre arbre, et l'arbre continue à pousser, et il sert même des parasites. Quelle bénédiction voulez-vous encore? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour le Congo? Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné au Congolais? Dieu a tout donné au Congo, mais le Congo lui refuse tout. Compliqué. À partir d'ici commence l'habitation ou les habitations de fonctionnaires du jardin. Parce que pour le blanc, il avait conçu ça pour le tourisme africain et mondial. Et pour ça, il devait donner en principe donner un logement. Hein? Un logement aux habitants, un logement aux travailleurs. Enfin, le premier logement. Le premier logement, il est mort. Il est mort. Il a cédé, il a poussé. Ici, on dit la nature a repris ce droit. Là, la nature a repris ce droit. La deuxième maison est menacée aussi par la colère de la nature qui revendique ce droit. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, j'ai l'air de se monter. On va poser des questions aux gens, ils vont me répondre. Catherine. Bonjour. La moi il a vraiment vous en avez mal. Pour ce que vous depuis combien de temps? Ça
Papa, ok, ça du sort, t'as pas vu? 2000 francs par mois. Mais au coquille, t'es coupé ça 2000 francs par mois. En bas, les salapés, j'attends que je fais la balade de Bicala pour aider directeur la présidence. Mais on va voir la banque prime la banque depuis qu'il casse. Si on est la prime, la banque. Bote maman. Bote papa. Oti oti mosala? Nauti elang. Ah. OK madame. OK. Donc vas-y pour terre à bongo. Na ba absence ya ba jawana. Ndeba lolo la kama quelque chose ko kuta kanga. Botalo siko kisa sakati prix. Et ko ali sous ce tenga ki. Donc on est incapable de foutre à 2000 francs par mois. Ba on a ba la bonne. Na za na mi ba lo ba zeta. Mo na ngali ali ko so. Stage, vous dites. Tu sais que je m'épouse, je suis accompagné de mes amis. Merci beaucoup à Mengue et l'autre qui est derrière nous, qui m'a accompagné. Merci aussi à Kevin. Donc, on n'a pas le droit d'entrer parce qu'on n'a pas la clé. Vous regardez vraiment devant vous. En tout cas, pour un jardin, ça va. L'infrastructure est bonne, il y a les tableaux, la salle est aérée, même si elle n'a pas de plafond. Ici, ne demandez même pas l'électricité parce que vous ne trouverez pas. Pas du tout. Ces élèves n'ont jamais vu l'électricité de toutes les façons, ni à l'école, ni à la maison. Vraiment compliqué, et c'est pour 2000 francs déjà, je vous rappelle. Et ils ont une cour, ils ont des toilettes. Et ce petit va marquer un but, s'il pouvait seulement marquer comme ça dans son but. Et là, comme le Congo, comme la RDC qui rate déjà le poteau vide du soir, le Congo rate le soir. C'est compliqué, hein. Alors, mais vous allez demander un avenir. Comment voyez-vous l'avenir dans un pays où l'école est encore à 2000 francs, mesdames et messieurs? 2000 francs à Kinshasa, ça veut dire que vous ne nourrissez même pas deux petits-enfants le matin. Mais ici, on ne dit pas 2000 francs par jour. On dit 2000 francs après 30 jours. Mais un père est incapable de le faire. Et vous avez vu, quand il a dit qu'il allait nous accompagner, moi j'avais cru qu'il allait mettre peut-être certainement un pantalon et tout. Il n'a pas mis, il est pieds nus. Si vous demandez à un monsieur comme ça de vous mettre des chaussures, il ne pourra pas. Il trouve ça un luxe, c'est normal. Est-ce que vous imaginez, mesdames et messieurs? C'est-à-dire, nous sommes à 12 km de la ville de Mbandaka. 12 ou 14 km, c'est ça? Non. 12 ou 14 km de la ville de Mbandaka.
Mais est-ce que vous imaginez un peu, mes frères? Vous imaginez. Et quand je lui demande de m'accompagner, ce n'est pas par courtoisie qu'il le fait. Parce qu'il sait qu'après, on pourra lui donner un peu d'argent. Et c'est avec cet argent qu'il pourra certainement vivre. Et vous avez vu sa femme? Elle vient du champ, certainement. Ramasser des bois morts. Pour certainement vendre. Ou pour pouvoir cuire quelque chose. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, c'est bien, Edio. Regarde, Edio. Edio, très bien. Effectivement, bon. Edio. Malam. Là, moi, la propre Bossembe. Ah, Christian. Voilà. Voilà. Bonne. Vous avez bandé dans la zone. Qui nous dit, toi, ton équipe, Mbandaka. Eh, vous allez. Mon équipe, vous sautez. Si vous êtes tombé à tour en Nayala, tu es dans la Nkoma. Ça va, toi qui es nano boy, comme ça. Non, mais c'est Coach, il coach. C'est quelqu'un qui m'a vu grandir quand j'étais venu à Bandaka, j'avais 9 ans. Et on avait une parcelle là, je vous montrerai. Une concession certainement. Il nous a aidé. Il m'a aidé. Hein, et quand j'ai organisé des événements, figurez-vous, plus de 50 ans, ces gens n'ont pas pu développer leur propre commerce. Je vais vous expliquer plus tard. Je vais vous expliquer. Il y a là. Mais il y a un système qui est là. Il y a partout. Il y a un créateur qui est là. Il y a un créateur qui est là.